Et yo tout le monde, c'est Tiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Civilization 5 dans lequel nous jouons Venise, alors troisième épisode. Ah mais on avait rapatrié nos troupes parce que c'était compliqué un petit peu là sur les terres du Nord. On avait tenté une petite incursion, on a très très vite fait demi-tour. Beaucoup de barbares. Vraiment beaucoup de barbares. Je vais faire un passage là. Ah bah ouais non, à mon avis là. Ça va être explorer la ruine. J'allais dire il y a une ruine antique, c'est cool, mais. Ça m'étonnerait qu'elle y soit encore. Oui, je l'ai même pas pris ça. 80 d'or, bon. Là il n'y aura pas d'autre. La vache, il y a un nombre de villes. Ça déconne zéro. Ouais, je pourrais aller au Cap. Cap Zurich, entre Milan et Sydney, il y a. Et entre Milan et Mbanza Congo. Il y a des ruines antiques, je vais y aller. Oh, lâchez-moi la grappe. Pardon? Donc lui, il peut m'attaquer avec des archers pourris, et moi, avec des archers composites, je peux pas. Bah. Bah. Il est sur une colline? Ah ouais, d'accord, il est sur une colline. Oh ouais, terrible ça. Je vais envoyer lui. 30 tours. Bon, bah, on va être patient, hein. La vache. Ouais, 30 tours quand même. J'aurais pas cru. Allez là. On finisse un peu avec eux là. Voilà. Hop. Est-ce que je vois d'autres ruines antiques un peu planquées? Non, bah mince alors j'en avais eu plein en plus, j'en avais vraiment trouvé une chier. J'arrive pas à les retrouver. Ouais bon là-bas mais. Ah c'était toutes là ou. Ok. Bah. Ouais mais là ils vont vouloir aller chercher là-bas. Je peux même pas les mettre en exploration auto à cause de cette ruine antique. C'est terrible ça. Bon bah je vais le mettre en état d'alerte, hein, écoute, j'ai pas grand chose d'autre à faire en attendant. Je voulais faire des navires marchands mais non. Moins que. J'ai rien qui m'augmente le nombre de routes commerciales, la portée des routes commerciales, non. Ah, c'est boussole. Ah, j'aurais pas avant boussole, quoi. Ouais. On va faire un cirque. Ok. On est bien perdu sur notre petite île. Pour le coup, on peut pas être plus paumé. Entre les cités-états, en vrai, il y a des océans un peu partout. On n'est pas trop proche d'une autre civilisation, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Ah voilà, ça y est, il a enfin construit. Enfin, il est enfin en train de construire le marché ici. Ah bah, encore et toujours, voilà, on s'en débarrasse. Chut. Eux, je suppose qu'ils me demandent de. Ouais, raser le campement, bah, on va le faire. Je trouve c'est même pas les seuls. Peut-être qu'eux aussi, on va voir. Non, je ne sais toujours pas écrire. Quarante-huit, il va falloir trois tours.
Plus de tours de déplacement, 5 tours. Ouais, ça risque de re-hop. Ah, peut-être que... Ok, c'est passé. Allez. 2 tours pour aller raser le campement. Là, il y a une belle île, hein, mine de rien. Bon, c'est vrai que si on compare, c'est pas photo. Mais bon. Ça permettra de gagner un peu de vision en plus. Allez, non, c'est la Mongolie. Allez, non, c'est Genghis Khan. Tiens, c'est étonnant ça. On se demande pourquoi. J'ai comme une petite idée, dis-moi. J'ai un peu d'or. J'ai de l'or qui est rentré, ça c'est cool. Grâce aux découvertes des cités-états, hein, il n'y a pas de... pas de secret. Est-ce que je fais... Non, j'ai rien à faire en vrai, plus. Hein. C'est... Je pourrais faire des unités, mais... Oh ouais, là je rase un campement pour le compte de 3 cités-états, ça m'est bien. Ouais, et si je ne veux rien construire, je ne peux pas. Je ne peux pas ne rien construire. Bah, je vais faire des navires marchands en attendant. On va continuer notre commerce avec l'Éthiopie. Ça part loin en plus, ils sont où? Ils sont où l'Éthiopie? Ils sont là. Ouais, c'est pas à côté, hein. Allez, on va descendre. On va explorer. Il me semble que j'en avais une qui n'était voilà, pas sous ma protection, Sydney. Est-ce que j'en ai loupé d'autres? On va checker pendant qu'on peut. Ok, non, c'est bon. Effectivement, parce qu'on. On avait pénétré sur ces cases et il était pas content. Ce que je comprends, je le comprends. Je vais accepter. Je vais le mettre là. Ça me coûtera pas en entretien. Est-ce qu'il y a un passage? Ouais, il y a un passage. Toujours pas. Par contre, il me propose de plus en plus. Ça, c'est un... Pourquoi pas? Non. J'espère qu'avec Gandhi, on va bien s'entendre. Cette partie, je ne vais pas être militariste, hein, au contraire. Je vais y aller pépère. Au moment de l'aide, vous avez accepté. Ah, une autre cité-État ou c'est la même? Non, c'est Buenos Aires. C'est la même. Et on va faire attention. Mettre terre cuite. Kuala Lumpur. Ouais, les dents d'or. M'intéresse pas tout ça. Allez, on continue l'exploration. On l'avait fait rentrer parce qu'il était un peu cassé. Ok. Bah, y a Sarai. On va le reconstituer, mes archers composites, ça peut toujours aider.
Pendant qu'ils sont à peu près à l'abri. Ouf. Espagne, Espagne. Ah ouais. Il est chaud. Je vais envoyer vers Biblos, ça fera toujours un peu d'échange et je vais continuer à faire des navires marchands, au pire je les enverrai de Biblos. Ça fera des revenus. Non, même Genghis Khan a inventé l'écriture avant moi quoi. Un peu la honte. De la teinture, je suis en train de regarder voir si je prends une autre cité-état, laquelle je prends. C'est marrant, il préfère prendre une case de côte plutôt que prendre les cases terrestres. Je sais pas. Ok, ah oui. Bon, bah essaye de passer par là, écoute. Bah tu passeras pas par là. C'est en nombre de villes au mètre carré, c'est impressionnant. Je sais pas comment il fait pour le bonheur. On peut pas avoir, dommage. Un petit blouse là avec la bouffe, ils vont se mettre bien. Statut de Zeus, ça m'intéresse pas. Et il va réessayer de passer, mais je vais devoir le forcer manuellement, j'ai l'impression. Non, peut-être pas. Alors peut-être. On va voir. Là, forcément, on pourra modifier la ville de départ, Biblos. Hop. Et le tour prochain, on pourra commencer le Machu Picchu. Yay! Bon, ça va pas me servir de suite, mais dès qu'on aura les ports, ça sera pas mal. Nage 160, ça va. On pourra faire le Machu Picchu.
Enfin partir sur l'écriture, là ils vont être contents, on dit. Je vais changer avec Pékin. Ah, ça m'a apporté de la science. Et pas mal d'or. Attends, c'est si loin que ça? Attends, c'est là-bas en plus. Mais attends, mais quoi? Attends, ouais. Il s'est barré par là le bateau en plus. Mais attends, mais il fait tout le tour là? Il fait tout le tour pour arriver là-bas? À moins qu'il fasse ça, mais c'est super long. Et je peux pas lancer de Venise? Je sais pas, ça doit être à vol d'oiseau alors, je suppose. Je vais pas du tout comprendre, mais c'est pas grave. Lui, il passera jamais, hein. Si je prends pas une... Oh, tais-toi. Je vais le prendre en manuel, lui, parce qu'il va bloquer, il va pas comprendre, il va faire des... Qu'est-ce que le chemin, il soit fermé? Faut pas demander à une IA de jouer intelligemment. Un peuple plus souriant au monde, ouais, ça va à peu près. Oh la vache. Il y a quand même du monde, hein. Niveau ça, on est comment? Première population, 1,5 million, ok. C'est pas dégueu. Il y a un peu que ça où on est vraiment ça. Enfin, il y a ça où on est bon, quoi. La récolte, le PNB, le reste. C'est pas terrible, quoi. Oui, bah j'attends un missionnaire illustre. Les bibliothèques, grandes bibliothèques. Je préfère le Machu Picchu. On a le grand phare, on a Stone Age. On va attendre. Non, merci. Ah, enfin. Et on a découvert le Japon, je sais pas si vous avez vu, mais en fait c'est passé ultra vite. Parce que j'ai appuyé en même temps sur espace, pas de chance. On va faire les boussoles, on atteindra notre point fort, en plus sur la théologie, on pourra faire quelques temples et des trucs comme ça. Oh merde, ça s'est fermé ici du coup, bah ouais. Là le truc ça s'est refermé, c'est bon. Accepter les ambassades un peu partout. Lui, je sais pas où est-ce qu'il peut aller. Hein. Oh, il peut tenter une mission. Allez, tiens, tente une mission. On va passer par là, sérieux? Oui, voilà. On va passer par là, ce sera mieux. Juste récupérer ça et puis passe ça. Okay. Ça me va. Ok, Osaka là-bas. Osaka? Ah bah je sais qui les Mongols ont bouffé une capitale. L'impression de savoir. Kilimanjaro.
Ok. Lui, il va gagner du temps par contre sur son déplacement. Avec le libre passage, ça m'aime bien. Marée découverte, ça c'est cool. Observant de protection. Un peu de crabe là-bas. Etc. Je peux acheter quoi? Bibliothèque, ce qu'on va faire. On va essayer d'augmenter un peu notre science quand même. Ah. Une nouvelle ruine antique. Et qui est pas si loin que ça en plus. Hein. Ah mais lui il arrive bientôt, ça c'est cool. Oh, il y a des catapultes. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il va nous faire? Oh, il veut aller sur Mbanza Congo, lui, à tous les coups. J'ai un marchand de Venise qui est né à Venise. Ah. Allez, on va faire monarchie. Hop. On reçoit plus de croissance, avec duc, etc. Ça, c'est cool. Qui c'est que je vais prendre? Manille, pas tant de poissons que ça. Hein. J'aurais bien aimé quelque chose de plus maritime. Sidon est un peu loin. Après, je commerce pas avec Mani. Allez. Ça me prend toujours de la fourrure. Y a un peu d'habitants. Bon, ils vont avoir du mal au niveau bouffe, je suppose. Ok. Il faut affirmer le fait que. Protège les cités-États. Ah ouais, là je gagne du temps hein, sur le trajet. Ici, il n'a pas l'air de renvoyer plus que ça. Ça me rassure. Espagne protège Milan, ok. Et lui, dès qu'il sera arrivé. Ah, Riga, ouais, d'accord, il arrête pas, quoi. Je vais lui faire une petite dénonciation. Je vais faire une petite dénonciation. Dénonciation, ça fait plaisir. On achète la cité-état, on achète Mani. Il y a des troupes, c'est pas pour pour me plaire plus que ça, mais. Mais pourquoi pas? Ouais, par contre, on voit que niveau bouffe. Oui, cette fois, je veux bien. Niveau bouffe, ça a l'air compliqué ici. Hein. Oh. Chichen Itza. Ok. Moi, tant que c'est pas le Machu Picchu, je m'en fiche. Je voulais juste voir, ouais. Est-ce que je peux choisir, moi? Non, je peux pas choisir. Toi, fais ta vie.
toi ici. Et bah, j'ai des unités en trop. Allez, on peut explorer autour. Et toi, pareil, explorer autour. Carte rudimentaire des environs. Yay! Pas comme si je connaissais déjà les environs depuis un moment. Ouais, c'est pas vrai. Bon, bah, c'est comme ça, quand ça veut pas, ça veut pas. Milan, oui. Milan, il me demande ce que je rase ce campement sûrement. Ça m'arrange. Sydney, pareil. Hein. Oui, Sydney, pareil. Peut-être même Zurich avec un peu de chance. Non, c'est pas grave. Pirate? Exiger un tribut au Cap. Non, ça m'intéresse pas. Là, j'ai découvert les Shoshones pour le compte de beaucoup, beaucoup, beaucoup de cités-États. Ça, c'est cool. Si tu le dis. Ouais, ce qui fait que je m'entends bien avec pas mal de cités-États, je disais. Revan qui me donne de la culture. Ormus qui me donne de la nourriture. Puis Wellington, Sidon, Panama, etc. Nourriture, culture, nourriture, nourriture, nourriture. Rien. Nourriture. Je sais pas si ça me donne des troupes. Non, je pense pas. Je sais plus. Si je suis pas ami, je ne sais pas. Oh, le passage. Oh, il est super ce passage-là en vrai. Ah ouais, mais non, ça me bloque là. C'est dommage. Là, c'est un bon passage en vrai. La ville qui fait. Ah bah, c'est pour ça! Non, mais ça y est, j'ai compris. Je me disais, c'est bizarre que de Biblo, je puisse aller à Pékin. Ici, en fait, je peux passer par Erevan. Oh, c'est un délire. Mais ouais, c'est pour ça. Ok, c'est que c'est pas si loin que ça. Ça ne doit pas jouer à grand-chose, hein, par contre. Hein. Machu Picchu. Peu de choses dégagent autant d'intensité que la citadelle de granit qui surplombe les falaises à pic du Machu Picchu, la couronne du pays Inca. Je vais faire l'oracle, les espoirs, pour avoir la doctrine gratuite. Là-bas, c'est en train de faire quoi là? Comptoir commercial. Mais ils vont crever de faim. Oui, c'est de merde. Hein. Je veux pas savoir. 36 d'or. Waouh. Ah ouais. Ah ouais. Oh, ça me va. Hein. Par contre, là, attends. Vache. C'est une belle prod quand même. Ça fait un Bratislava, hop là, je vais acheter. Ah, c'est trop cher les navires marchands. Ok, j'ai rien dit. Je ne vais rien acheter du tout. Lui a déjà traversé, c'est cool. Ils ont fondé Huangzhou. Hanzhou. Lui, il est là tour prochain. On ira taper les. Le campement. Ah ouais, c'est même écrit, ouais, c'est vrai. Et une fois qu'on aura tapé ce campement, ok, l'autre se fait faux, on ira récupérer les autres ruines antiques. Technologie avancée, travail du bronze. Pourquoi pas? Ça me fait toujours ça en moi à rechercher. Hein. Hop, je vais l'envoyer à Byblos. Je pense que la ville a suffisamment d'habitants. Et oula! Tant qu'il vient pas chez moi, ça me va. Et poisson, c'est bon. Je vais lancer mes trois unités d'archers en exploration automatique.
Ah, il y a même... ok. Établir, qu'est-ce qui m'apporte? Ormus me rapporte plus. Hop là. Voilà. On va explorer, on va chercher les ruines antiques, etc. De toute façon, même si je perds quelques troupes, c'est pas très très grave. Moi, je vais avoir besoin de bateaux, principalement. Toi, tu vas aller là. Bibliothèque, c'est une bonne idée. Le temple, pourquoi pas. C'est vrai que là, j'ai quand même plus 10 de fois par tour. Ah, c'est pas dégueu, hein. Un peu de pression ici, c'est cool. Là, j'avais un peu de pression, mais j'en ai pas plus que ça, c'est dommage. Ah zut, c'est vrai que j'en ai loupé une unité d'État. Ah, c'est pas Jérusalem, justement? Oui, si. Impec. Là, ce sera bientôt fini. Ils font des tribus à tout le monde, les salauds, quoi. Ah, les cités... Il y a des barbares sur la cité-État. Ouf, ouf, ah oui, oh la vache, ils se sont fait piller de fond en comble. Peut dire ça. Alors, on va développer la région. Quand tu veux, en paix, impec. Alors, qu'est-ce que je peux reprendre? Il n'y a pas un truc sur les cités-États? Il n'y a rien sur les cités-États. Les jardins fournissent plus de bonheur dans la ville. Pas mal. Le bonheur, on ne dit jamais non. Les textes religieux, moi, je trouve ça super fort. Et c'est là-dessus qu'on va finir l'épisode aujourd'hui. Je viens de remarquer, hélas, que on ne voit pas le bas, vous voyez pas le bas ni le haut sur l'enregistrement. Je suis désolé, bah ce sera la surprise pour le prochain épisode. Bon, on se retrouve demain, c'est vendredi normalement pour le dernier épisode de cette semaine. Il y en aura après, hein, vous en faites pas. Et je vous remercie d'avoir suivi. Je vous dis à demain, c'était Job. Ciao.